Docteur Rambaran, bonjour. Bonjour. Ma question est très simple. Qui fait du monde content vin politicien dans le monde et surtout à Maurice? Très bonne question. Vous trouvez que dans le monde actuellement, le système qui est là pour gérer un pays, c'est un système de politiciens qui nous fait élu pour un système qui appelle électeurs représentatifs, c'est-à-dire nous venons, le peuple venit, donne ce pouvoir, joue l'élection, il donne ce pouvoir à un représentant, et représentant là, à ce stade-là, il est pour gérer le pays, mais pendant qu'il peut gérer le pays, le peuple perdit ce pouvoir, parce que ce pouvoir, il finit de lui le jour de l'élection. Et alors, qui fait ça, ben là, content faire politique, surtout à Maurice, parce qu'il remarque qu'à Maurice, qui ça là qui va faire politique? Si vous travaillez dans le gouvernement, vous n'êtes pas capable de faire politique. Si vous êtes professeur, vous n'êtes pas capable de faire politique. Si vous travaillez dans un bureau, vous avez l'expérience, vous n'êtes pas capable de faire politique. Il y a tout ça l'expérience que vous gagnez, par exemple, comme professeur là, où vous pouvez penser que vous pouvez faire un bon ministre de l'éducation, mais vous n'êtes pas capable. Sauf si vous démissionnez, et là, vous prenez le risque de ne pas gagner un travail, ou bien une sanction parce que vous n'avez pas envie de poser candidat, etc. Donc, vous n'êtes pas capable. Alors, qui s'en a qui est capable de poser candidat, qui permet de poser candidat? Même dans ma ferme privée aussi, mais pas une clause dans le contrat qui, si vous faites politique, vous n'avez pas le droit de faire politique si vous êtes dans son champ. Donc, qui s'en a qui resté? Reste pas un businessman qui travaille pour eux-mêmes. Ils ont fini de faire politique. Et qui veut faire politique? Parce qu'ils ont content sa peuple-là. Ils ont bien promené dans sa peuple-là. D'ailleurs, ils ont businessman. Ils ont rentré dans la politique pour faire business. Point à la ligne. Surtout à Maurice. Ils n'ont pas un sentiment, ils n'ont pas une compassion pour ce peuple-là. Et business, quand ils ont fait, ils ont fait dire ça, mais qui rentre en politique là, parce qu'ils ont malhonnêtes. Ils ont connu qu'en rentre en politique, ils ont besoin tout bon instrument devant eux pour capable coquer ce pays-là. S'ils mettent la main dans le poste sa pauvre-là, pour remplir ce poste-là. En un mot, ils ont venu, pas pour servir ce peuple-là, mais pour servir eux-mêmes, remplir le poste. Donc, qui ça va l'affaire? Je viens, au pouvoir, avant l'élection, à couillon du monde là, monsieur, qui manière, tap, je te les deux, ben la contente, donne-je un petit pain sardine, donne-je un briani, donne-je une casse. Et faire ce quoi qui, tous les problèmes pour résoudre, comment tu dis, dans 100 jours, 100 jours la vie. Effectivement, l'indien est vrai, dans 100 jours, l'indien détruit la vie du monde. Et parmi les tu sais, tout ça va les autres politiciens qui, dans le système de électeurs représentatifs, là, se pourrit. Et ce système de représentants représentatifs, là, ce système-là même, lui permet de les politiciens, là, c'est-à-dire la porte ouverte pour être capable qu'aucun fait corruption sans qu'il y ait une sanction contre eux. Alors, qui fait un content faire politique? Parce que la porte est ouverte, est capable qu'aucun mette dans la poste la carte, c'est le top pour eux, belle Mercedes, belle BMW. Pour les enfants, femmes, qu'aucun village rangé, mais à miser dans l'argent du peuple. Et ça peuple, la vie, il est dans la rue. Malheureux, pénadipère, pénamanzé pour les enfants. Et tellement ils sont dans la misère, ils ne pas gagner le temps même aucune politique. Et exprès, pas besoin d'éducation nécessaire pour capable de révolter. Et une troisième affaire, c'est de servir la communauté, différentes communautés pour diviser. Et à ce moment-là, qu'ils ont fait, ils ont rempli, ils ont posé, rempli maximum, comme ils sont capables de remplir. Est-ce qu'ils ont un sentiment pour ce peuple-là? Est-ce qu'ils ont une compassion pour ce peuple-là? Moi, je souhaite me répondre. Compassion, zéro. Est-ce qu'il y a un tracas pour vous? Non. Ça qui se dit qu'il y a un tracas, c'est pour eux-mêmes. Ils ont rempli, ils ont posé. Mais avec la démocratie directe, tout ça qu'ils ont fait là, coquin là, il n'est pas possible. Moi, pour cause de là, plus dans notre vidéo. Merci. Merci vous-même.